Mais veuillez garder votre ceinture attachée. Une petite bière? Oui, que préférez-vous? Avec ou sans alcool? Non, je voulais dire quand nous serons arrivés à Honolulu. J'aimerais vous offrir un verre. Non, je regrette, non. Merci. Mesdames et messieurs, nous volons actuellement à une altitude de 24 000 pieds. Et comme nous n'avons pas de retard, nous devrions atterrir à Honolulu dans environ 27 minutes. Votre thé, mademoiselle? Vous désirez du lait? Un peu de vin? Oui, c'est pas de refus. Votre eau, madame. S'il vous plaît, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu te sens pas bien? Non, c'est pas ça. Tu sens le contrarié. Qu'est-ce que tu as, David? Je veux voir l'hôtesse. Mais pourquoi? Parce que... Est-ce que tout va bien? J'en sais rien. Là, regardez. Ici contrôle d'Honolulu, vous êtes à 2 nautiques de votre route. Veuillez vérifier votre transpondeur à 7700. Terminé. C'est entre contrôle d'Honolulu. Mayday. Paradise 243. Quittant, occupant 240. Dépressurisation rapide. Déclare état d'urgence. Allez chercher un superviseur et dites-leur qu'il y a une urgence à mi-chemin entre la Grande Île et Maui. Pas de confirmation verbale. Je préviens Maui pour qu'il se tienne en état d'alerte. Maui, ici centre contrôle d'Honolulu. Dépressurisation rapide de la cabine, quittant de 19 000 pieds.
d'urgence terminé. Je répète, Mayday, Mayday, Mayday. Rappelez-vous bien que vous êtes seul, personne ne vous sortira d'affaire. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Contrôlez votre avion, bon sang, contrôlez-le. Faites corps avec lui, ne quittez pas les jauges des yeux. Restez maître de la situation, c'est ça, doucement. Allez-y maintenant. Alors quoi, vous dormez? On se calme, un peu trop rapide, ralentissez. C'est ça, vous y êtes. Ça va pour aujourd'hui, Michael. Retour à la base. Avec un jet, tout va extrêmement vite. Chaque seconde... Base aérienne de Vance, Oklahoma, 1972. Il fallait bien regarder le sol pour trouver une référence visuelle. Oui, si je vous avais laissé faire, on serait réduit à l'état de bouillie à l'heure qu'il est. Vous devez rester maître de votre appareil. N'oubliez pas que là-haut, vous allez à plus de 950 km/h, ce qui fait 10 nautiques à la minute. Vous prenez du retard et vous vous enlisez mentalement. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de là. Je le sais, vous le répétez tous les jours, mais quand j'ai vu l'aile droite qui commençait à se détacher, vous m'avez dit de ralentir, J'avoue que j'ai paniqué, c'est normal. Vous vous concentrez sur la panne au lieu de vous occuper de faire voler votre avion. Dans ce cas-là, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'observer la procédure d'urgence avec sang-froid. On n'a pas le temps de réfléchir. J'étais en train de vérifier mes instruments et vous ne trouvez pas mieux que de m'inventer deux pannes majeures simultanément. Vous n'êtes pas très sympa. Je ne suis pas ici pour être sympa, mais pour vous apprendre à rester en vie. Vous savez, avant de partir au combat, il va falloir vous mettre dans la tête que savoir piloter un jet, c'est autre chose que manier un manche et un palonneux. Oh, mon Dieu, tiens, maman! Accroche-toi à moi, surtout! Au secours!